La fabuleuse expédition du professeur Ferguson par la compagnie Noir Titan, c'est tout un univers théâtral qui nous plonge dans un décor digne du grand Jules Verne, où la petite Jenny et sa peluche Monsieur Cranstone a su converser avec notre imaginaire. Au fond, dans le off, s'évader à bord d'un sous-marin inventif, c'est prendre un bain de bonheur dans la fournaise de l'été. Que la chance vous accompagne dans votre périple et couronne de succès vos travaux. Sincères amitiés, commandant Anderson. Cher commandant, comment vous remercier? Sans vous et les hommes de votre équipage, je ne pourrais concrétiser ce projet scientifique, explorer ces profondeurs sous-marines, scruter ce monde mystérieux aux richesses insoupçonnées. Curiosité avec les enfants, quand le spectacle est fini, ils viennent voir un petit peu les décors et tout ça. Tout à fait. Il y a une présence aussi des comédiens. Oui, ils nous demandent comment ça marche un petit peu, un peu les tours de passe-passe, l'arrivée de la méduse, de la pieuvre, tout ça, comment ça marche. Ils ont besoin d'être rassurés aussi en quelque sorte, parce que parfois c'est un peu, ça peut faire peur, cette arrivée de pieuvre par exemple. Donc on essaie de leur faire comprendre un peu l'artifice de tout ça. Et ça ne me dit pas ce que tu fais là. Tes parents, ils sont où? Mes parents, ils sont au ciel. C'est pour ça que j'ai dû prendre le bateau pour aller chez une tante de maman à Seattle. Je veux pas y aller, moi, je la connais même pas. Mon père, il disait que c'était une vieille sorcière. C'est pas possible. Comment as-tu fait pour monter à bord? C'était pas très compliqué. En fait, vous allez rire, je me promenais sur le pont du Abraham Lincoln avec Miss Matthew. Miss Matthew, c'est ma gouvernante. Et je vous ai entendu discuter avec le commandant. Vous disiez que vous alliez partir 3 jours sous l'océan. Alors j'ai attendu que Miss Matthew fasse sa sieste dans sa cabine. Elle fait toujours une sieste après le déjeuner. Et je suis venue me cacher dans la malle avant que vous ne la fassiez transporter à bord par les hommes du commandant. Je pense comme beaucoup d'enfants, ou en tout cas de plus en plus, en tout cas, il n'y a pas forcément un attrait énorme pour la lecture et l'imaginaire que ça peut susciter. Et voilà, et l'idée c'est d'attirer le regard vers ça en fait, de trouver l'intérêt de cet imaginaire-là et de voir jusqu'où un livre peut nous emporter. J'ai besoin de silence pour me concentrer. Pardon, c'est pas facile la lecture. Moi, je préfère faire les choses en vrai plutôt que de lire ce que font les autres. C'est ennuyant de lire. Mais lire, c'est peut-être l'occasion de découvrir des choses que tu ne ferais jamais par toi-même. Est-ce que tu peux, par toi-même, voyager au centre de la Terre? Non. Et de la Terre à la Lune? Est-ce que tu peux habiter dans une ville flottante, rallumer le phare du bout du monde, traverser un désert de glace, ou faire le tour du monde? D'accord. Ça vaut peut-être la peine d'essayer. Les rires des enfants, c'est quelque chose d'important pour tous les deux? Oh bah c'est complètement juste... Ouais, ça nous porte beaucoup, en fait, de les entendre réagir. Ça... Ouais. ça fait que les représentations peuvent être complètement différentes selon les réactions en fait. Et on peut avoir des salles très très calmes qui sont pas pour autant moins réceptives. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent être absorbés dans le spectacle mais sans bruit. Et puis la représentation d'après, on va avoir des éclats de rire dans tous les sens. Et du coup, c'est assez génial. Ouais. Et après Avignon, alors, il y a une tournée, est-ce qu'il y a d'autres dates? Alors, il y a déjà beaucoup de dates qui sont dues à l'Avignon de l'an dernier, parce qu'on était déjà là l'année dernière, et donc du coup, on va tourner alors à la fois dans l'Hérault, nous, on est de la compagnie de Montpellier, donc on a beaucoup de dates dans le pourtour Montpellier-Rhin, et puis on a des dates aussi, on sera début octobre en région parisienne à Courbevoie, En Normandie en février, si je dis pas de bêtises, au mois de décembre, je sais plus où. Enfin, tout est sur le site de la compagnie Noir Titan. Il y a les dates de représentation et puis les dates à venir qui sont en train d'être discutées du fait de cet Avignon et notamment vraisemblablement une tournée au Maroc pour le mois de mai prochain.